talent en cuisine. Ça fait pas fide. On dirait du vomi. La courgette qui tombait par terre. Vous connaissez mes talents en ASMR. Je ressemble à rien. Vous connaissez mes talents en chant. Tcha-tcha-la. Tcha-tcha-la. Et aujourd'hui, ça va être mes talents en danse. Zim zim zalabim. J'ai même pas envie de vous dire, me dites pas que je suis nulle, je le sais, parce que ben... Bref, bien que je ne sache pas danser, ça fait très longtemps que je veux danser le refrain de la chanson Fancy de Twice. Donc Twice qui est un groupe de K-pop, pour les gens qui ne sauraient pas, un groupe de K-pop féminin même. Cette vidéo, j'ai commencé à vouloir la tourner il y a 1h30. Et ça fait 1h30 que je suis posée sur mon lit à me dire, mais est-ce que tu vas vraiment faire cette vidéo alors que tu sais pas du tout danser, parce que genre vraiment ça va être un massacre. C'est parti. Faut pas réfléchir 30 ans dans la vie, quand tu réfléchis tu fais rien faux. Juste comme j'ai pas assez d'expérience dans le domaine de la danse du tout pour imiter les gens que je vois danser, je vais suivre le tutoriel d'une fille qui explique comment faire le refrain de Fancy. Et attention, une petite capture dans 3, 2, 1 de sa vidéo YouTube. Ah oui, et du coup pendant la vidéo, si je regarde genre en face de moi, c'est parce que bah, je suis en train de regarder évidemment les pas que m'apprend ma professeure. La vidéo elle dure 14 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 14 minutes, je pourrais officiellement faire partie du groupe Twice. Let's go. Ça commence direct. Ok. C'est parti hein. Ça commence comme ça. Left, attendez. Elle a dit left. Je suis partie sur la right. Ok, left hand, two fingers. Tout. Donc premier pas c'est ça. En mode pistolet, en mode je te tue. Ok, ça roule, pas de problème ma fille. Stop. Là je me suis fait un double torticolis avec ton truc. 1, 2. Ok. J'aime bien parce que je fais l'accent anglais, ça m'aide à... Attends. Alors je l'aime, mais il y a beaucoup trop d'informations en même temps. Genre moi je suis restée bloquée sur le. Donc ça fait pam 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 pam. Elle a dit faut faire comme ça. Là. Ok d'accord ok. Allez fort, on fait comme ça. Calculé, genre le moindre petit geste il est calculé et genre là je vois que j'en suis à 1 minute 40 de la vidéo, soit un 1/13 de la vidéo, et il y a déjà 12 000 gestes qui se font, je vais me perdre. On recommence au début, je le fais pour moi et je le fais pour vous. Ensuite, de ce que j'ai retenu, il y a une main comme ça, et elle avait dit qu'il fallait faire un petit saut de biche comme ça, mais j'ai pas trop compris. Ensuite genre il y a tac avec un petit écart pour voir le petit œil, et en même temps la jambe qui fait genre tac tac, et là tac. Là c'est le moment où on fait ça les gars. So your hands are going around and also... Non mais around de rien du tout. Oh là là. Il y a des gens, vous apprenez ce genre de pas en 30 minutes, genre comment vous faites? Ok vas-y c'est pas grave, Juliette, le moral. En fait pour le truc du cercle là, faut tout bouger dans votre corps, mais genre vous avez vu que je suis un peu un manche à balai, ok. J'aime pas comment on fait les trucs là, genre j'ai l'impression que je remue n'importe quoi. Tac, 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 tac. Ok vas-y c'est bon, la suite je suis chaud là. 1, 2. Ok, 1, 2, 3. Ok, stop. Petit récapitulatif de ce que je viens d'apprendre grâce à Hélène. Ch'tac. J'ai l'impression que je lance un sort, genre je suis une Winx. Mais attendez, genre là je le fais au ralenti depuis tout à l'heure, mais après sur la musique ça va aller hyper vite, je suis en train de me dire. On dirait que je fais de la musculation, genre regardez mes biscottos, c'est hyper cute, moi j'ai l'impression que je suis Bob le bricoleur, ça ne va pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, je sais pas quoi. Tac, le petit doigt de fée, j'arrive et là je fais ch'tac en hip thrust que je ne sais pas faire. Ok, c'est beau, on l'a. Ok, la suite, c'est parti. Et ensuite, hop, comme ça, on jump. Et là, ch'tac. Et ensuite, en tout, on fait ça. Et hop là, up and down. Ok, tac, dès qu'on switch comme ça, on se relève, on se remet. Ok, ça roule, d'accord. 1, 2, 1 et comme ça là. Ok. Tac, et après comme ça. Tac et tac et tac. Et ensuite on fait comme ça. Ok, là c'est l'appel des oiseaux vers la nature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrive au fancy. Ah, il est en... Elle est en train de décomposer le mouvement du tac tac. On en est à the movement, you know. On en est au paf paf
pas ce pas, j'ai tout raté. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais même pas si c'est ça les mesures, mais clairement je suis dedans. On part sur le tac, fancy, you. Et là on fait 7, 8. C'était nul, mais j'ai le rythme. Bon là, il y a plein de mouvements compliqués qui arrivent, donc on va essayer de reprendre ce que j'ai déjà appris. Ta-na-ta, 8, fancy, you. Et après 1 et 2. Et là on tourne et 1 et 2. Ok, donc là on va faire le mouvement du balai rotatif. On est là. Là ce que j'appelle le balai, c'est vous prenez la poussière, vous la passez comme ça de l'autre côté. On prend la poussière, on passe, on prend la poussière, on passe. On tourne balai rotatif, you know. On prend la poussière, on passe, on prend la poussière, on passe. Et ensuite fancy, you. Hop là on marche. Et ensuite 7, 8, comme ça. Et là on se remet devant vous et on fait un 1, 2. Et ensuite, tac, hop, 4. On a tout fait les gars, on a tout fait. Bon bah écoutez, je sais pas ce qui va se passer là dans le montage, mais soit vous allez me voir répéter, soit vous allez voir directement la partie finale. Let's go, attention, suspense. 3, 2, 1. De la vidéo, je vous ai mis directement le passage où je dansais parce que j'ai répété pendant 2 heures avant non-stop pour avoir la choré fluide. Il y a encore des petits bugs, des petits gestes qui ne vont pas entre guillemets, mais je suis quand même très 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 satisfaite du résultat parce que voilà, je vous l'ai dit, j'ai pas la danse innée en moi, j'ai pas les moves innés en moi, et je voulais juste vous montrer aussi avec cette vidéo que peu importe que vous dansiez bien, que vous dansiez mal, surtout que c'est très subjectif, n'ayez pas peur de vous accrocher à quelque chose. Voilà, genre c'était un refrain que j'avais envie de faire depuis longtemps en danse. Et je l'ai fait, donc je suis vraiment très contente, ça m'a pris toute mon après-midi. J'espère que ça vous aura aidé à le faire, peut-être, qui sait, et que ça vous aura fait rire. Là actuellement, vous voyez, je shine brand like a diamond, j'ai de la sueur jusque je ne sais pas où. Donc je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner, ça me ferait méga plaisir. Jusqu'à la prochaine, portez-vous bien. Mouah, mouah.